Nazaria? Oui, regarde. Bonjour Peter. Bonjour mon gros. On arrive. Ce qu'on va faire, c'est que tu viens me suivre, on va aller au bois des gars. Hein. Ok. Salut à l'audience d'ailleurs. Ouais, bonjour à tous. Salut à tous les abonnés de Loup-Garou France. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, le like et tout le bordel. Laissez un commentaire évidemment. On est dans la troisième partie du bois des gars. Donc voilà, j'avais donné rendez-vous à David ici. Et on va être deux pour cette enquête. Tout ce que je voulais dire déjà, on va filer au bois des gars. Et on va installer une caméra nocturne. On va pas se retaper toute une journée dedans. On sait comment c'est maintenant. Mais on va juste poser une caméra nocturne et on revient dès la nuit prochaine. Tu viens avec moi? Allez, go! Au niveau du bois des gars, là on est encore dans une zone un peu différente parce qu'il y a les hauteurs, il y a les profondeurs du bois des gars. Là on est au niveau des profondeurs du côté des marécages et j'ai envie d'aller poser une caméra nocturne de ce côté là parce que je pense que le loup-garou, les loups-garous, quand ils viennent dans ces zones là, car aujourd'hui c'est une certitude, hein, si vous avez eu le premier et le deuxième épisode de la série, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, moi-même, je l'ai vu, David, tu l'as vu aussi, deux reprises d'ailleurs. Donc, on va aller foutre une caméra nocturne là-bas. On prend Azaria, on va le faire courir aussi en même temps, et puis on va aller poser la caméra nocturne. Allez. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, ceux qui ont vu le premier épisode, vous vous souvenez, on se retrouve ici en fait, là où j'ai fait le repérage et au début, Azaria, viens là. Et au début, j'avais vu une bête tout en haut, je ne sais pas ce que c'était. Et puis en revenant à plusieurs reprises, pour des divers repérages, au pied Azaria, eh bien j'avais réussi à élucider ce mystère, c'était les pieds, les pattes d'une biche quoi. Voilà, donc on revient dans dans toute cette zone-là, au niveau des grottes, comme au premier épisode. Voilà. Ça te fait quoi de revenir ici dans cette zone? Ça me fait... Je repense encore à la première fois, la masse que j'avais vue et qu'on avait revue après, ouais, dans l'autre épisode. Mais là, le truc là... C'était exactement pareil. C'était juste là, c'était, en ouais, fait. C'était là, un peu plus loin. Juste derrière. Truc de malade. Truc de malade. La première fois, c'était hallucinant. La première fois, c'est toi qui l'as vu. Nous, on l'a vu. Après, la deuxième fois, on l'a vu ensemble. Mais ça confirme ce que j'avais vu, quoi. Ça te fait quoi de revenir ici? Bah, ça fait drôle, quoi. Surtout que là, en plus, on est en plein jour. Donc, c'est complètement différent, bien sûr, de la nuit, quoi. Ouais. Et c'est quand même, on voit que c'est, quand on est en plein jour, on voit que c'est quand même vaste quoi, et que c'est très très touffu quoi. Carrément. Des fois il y a des coins où on peut même pas passer quoi. Donc, ouais. C'est hallucinant. Mais ça me fait tout drôle quoi. Et l'aventure continue. Ouais bah ouais. C'est génial. Allez, troisième épisode. Ah, super. Ah, il y a une voiture là. C'est la première fois que je vois une voiture ici. Bon, en même temps c'est un chemin. Ça, c'est un Norvège. Oh, il a été écrasé parce qu'il y a des voitures qui passent là. Ah ouais. Il a été écrasé tout. Ah, tu reconnais direct les. Bah ouais, direct. Hein. Ouais. On voit direct que c'est un Norvège. Ouais, ouais, attends, toi sur le côté. Bonjour. Au revoir. Ah ouais. Et donc là. Donc ça, c'était une femelle. Voilà. Parce que les... Parce que les femelles, elles ont des bandes noires, tu vois, comme ça, sur les côtés. Ouais, ouais. Les mâles, ils sont toutes cette couleur-là, couleur beige, comme ça. Ouais. Ou olive, ça dépend. Ça, c'était une femelle. Bah, allez, on continue. Bon. Là, ça fait bien un quart d'heure qu'on marche. La fameuse caméra
nocturne que vous avez acheté, qui moi qui me sert de temps à autre, on sait jamais. Pour l'instant j'ai rien capturé avec ça, à part des bestioles, des biches ou des blaireaux ou des trucs comme ça. Ce qui est toujours assez amusant d'ailleurs. C'est assez plaisant. C'est drôle d'aller voir comme ça, ils se doutent pas qu'ils sont filmés. Ils se doutent pas, mais peut-être qu'un jour, qui sait, un loup-garou. Peut-être faudra-t-il des dizaines et des dizaines de fois, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en aura jamais, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, donc là, on est du côté des marécages. On va aller foutre la caméra nocturne dans peu de temps. Et après, on se tire. Et place à l'enquête de nuit, cette nuit. Enfin, pour vous, ça sera dans quelques minutes. Attends, David. Là, on est dans les niveaux des marécages. Ouais. T'as vu le bois, comment il a pourri? Ah ouais, bah ça va vite, hein, comme je te disais, les décompositions dans les marécages, ça ouais. Va vite. Ouais. Les os et tout, tu vois, c'est... Bah oui. Les animaux, l'autre jour, les hérissons, t'as vu, il n'y avait plus que la peau, quoi. Va retrouver des os là-dedans, quoi. Ou alors, faut que ça soit tout frais, quoi. Ouais, c'est clair. Bah comme leur vêtement tout à l'heure, c'était pas arraché. Je dirais que t'as un truc qui a creusé, là. Ouais. Là, on est au niveau des marécages, donc toutes les bestioles, sangliers, biches, comment on appelle ça là, les blaireaux. Les blaireaux, oui. À chaque fois que je pense aux blaireaux, je pense toujours à Macron, comme ça. Les sangliers, tu le remarques, de toute façon, ça te fait carrément c'est labouré par terre. C'est ouais. Les cochons, donc tu sais, ils retournent la terre et tout. T'as vu l'arbre exploser juste devant là? Ah ouais, l'arbre, il casse la gueule. Là, il y a une vieille caravane, on va aller voir. Que, bah, en réfléchissant, je me suis dit, il pourrait peut-être y avoir quelque chose. On n'a pas été dans les profondeurs des marécages comme ça, en fait, la dernière fois. Et par donc, contre, on n'est pas loin du premier visio qu'on avait vu, tu sais. Oui, tout à fait. Pas que j'avais vu. Ah oui, enfin, à la fin, c'est vrai. Si, c'est vrai, on avait été un peu dans les marécages, mais c'était pas au même endroit, en fait. Ouais. Non, c'était pas c'était pas, de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Ok. On n'est pas loin, hein, de toute façon. On est à côté. Bah, viens, on va aller. Il y a une caravane, là. Ils doivent pas venir souvent vu comme c'est défaut. Enfin, c'est. Regardez ça. Allez. Ça fait carrément caravane abandonnée, quoi. Allez. Commencer par ouais. Là. Ouais, ouais. Ils doivent venir de temps en temps, mais ouais. pas beaucoup parce que regarde. Tu vois, ici, de là où on vient, t'as vu, il y a patch. Enfin, il y a. C'est complètement sans dessus-dessous, si tu veux, c'est pas un beau chemin bien fait. Par ici, bon bah, voilà, là, il y a une vieille cabane. Voilà, ils peuvent venir que de là. Côté de l'eau, là, juste à côté, il y a de la flotte. Ouais, là, ils peuvent pas pêcher, ni rien. T'as entendu ouais, le hurlement ouais. C'était un hurlement de quoi, ça? Je sais pas si ça t'envoie à la caméra. Ouais. J'ai entendu, non. Wouh. Putain, les mythiques, là, par contre, ça y va. On va pas rester 10 ans. Allez. Évidemment, c'est fermé. Bon, je vais devoir utiliser mon karaté. Recule. Ça va chier, regarde-le. Il est bien, là. Il fait le fou. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un chien malheureux. Ouais, ça se voit. Hein. C'est quoi? On va poser la caméra sur l'arbre qui est juste à côté de toi. Ici, là. Ici. Ouais, pourquoi pas. Puis voilà, parce que là il y a un petit espace, on verra. Azaria qui se met en l'air, là il faudra que je fasse très attention. Il n'attrape pas des tiques. Ah, c'était des gamins. Ouais. Bah, je me disais, c'est des hurlements comme ça, c'était pas un chien ou. Dès qu'il s'est mis à crier. Ouais. Il y a des gamins en fait qui doivent être de l'autre côté. Ouais, ils devaient être de l'autre côté. Ils s'amusent dans l'eau.
On va se balancer dans l'eau peut-être. Pourtant tout à l'heure, il n'y a personne. Dom, ouais, il gueule tellement fort que ça résonne jusqu'ici. Quoi. Je fais un câlin aux arbres, j'adore ça. Le coq qui gueule le soir, c'est vrai, c'est possible. Ouais, bah il y en a. Alors, donc, toujours 4 piles, ça suffit largement, surtout pour une nuit. Donc, en route. Azara, viens là, viens par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se barre, on va revenir dans toutes ces zones-là marécageuses, tant bien que mal. On va s'armer de citronnelles et je ne sais quoi. Et puis voilà, comme ça, on verra. Bon, on verra bien ce qu'on trouve dans cette zone. Je n'ai pas envie de m'attarder plus, j'ai faim. Hein ? Ouais, c'est clair, on a faim. Et on va aller bouffer. Et ouais. Puis comme ça. Hein, Zaria, t'as faim aussi toi ? T'as toujours faim, t'as toujours faim. Ah oui, ça c'est accident de travail ça. Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs David, as-tu ton passe sanitaire ? Moi ? Ouais. Pourquoi faire ? Sinon tu passes pas, tu vois, parce que ça veut dire que tu es un danger. D'accord, hein ? Bah je suis un danger là. Ouais. Oui, le truc là. Accès interdit, propriété privée. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que là-bas, à l'intérieur, tu sais, c'est... Enfin, très peu de gens qui y vont, quoi, là-dedans. Bah ouais. Juste le proprio, quoi. T'as vu, c'est grillagé de partout, hein, ici. Ouais, tout à fait. Il y a des barbelés, aussi. Puis si on voit que c'est un grillage, c'est rien n'est entretenu, hein. Donc c'est quand même... Ça a quelqu'un, mais c'est quand même totalement à l'abandon, quoi. Ouais, à mon avis, c'est des anciens jardins qu'il y avait. Puis, ouais. T'as vu la grille ? Ouais. Bon, elle est défoncée. Je serais quand même curieux d'aller voir à l'intérieur. Mais... Sur le côté, ouais, tu peux avancer un peu. Hein. Ouais, mais... Donc, t'as vu, après, c'est vous, ouais, là-bas, c'est... Je vais voir, mais... C'est juste par curiosité. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a que des pierres. Ouais, c'est quoi ce truc, là ? Ce truc métallique, ouais, grouillé. On a eu, on dirait un vieux transport, une vieille cube un transport électrique, mais non, ça me paraît bizarre. Ouais, c'est l'arbre. Ouais, c'est un vieux truc. Non, mais ils n'entretiennent pas du tout, ah on voit bien. C'est pour ça que cette zone-là, tu vois, je me dis, bah, c'est instinctif, tu vois, c'est automatique. On n'y est pas passé des heures dans cette zone-là. Ouais, et puis c'est vrai que tu vois, regarde, quand on regarde bien, tout est... Tout fuit tout, tu vois pas un seul animal. Tout à l'heure, on a vu une biche dans le chemin, ouais, dans le chemin, mais ils arrivent à passer, toi. Ouais, et nous, vas-y, pour passer là-dedans, regarde le bordel, que c'est. Tout à fait, c'est hallucinant. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment venir ici, quoi, et iratiboiser tous les marécages, quoi, tant bien que mal. Ouais, ce qu'on peut voir, quoi, parce qu'il y a des endroits où on peut pas, il y a de l'eau, oui, bah oui, oui, mais sinon, ouais, il y a des endroits qui sont beaucoup plus secs, donc on ouais. Arrive à franchir, quoi. Bon, allez. Here we go. On y go.
Là, t'as le katana. Bon. Bon, ça y est, on est dans la forêt. Regardez ça. Surplombé par la pleine lune. Et c'est pas voulu du tout. Magnifique. Vous voyez ça? T'as vu, David? Un vrai film d'horreur. Rien que le début de ce troisième épisode est déjà, pour nous, je sais pas ce que t'en penses David, mais assez exceptionnel, parce que s'aventurer dans des marécages, une nuit de pleine lune, hein? En plus de pleine lune, hein? T'as qu'à le faire, hein? C'est clair. Toi qui as toujours de bons conseils, fais ci, fais ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Te faire enculer, j'ai à le faire. À qui tu le fais? Tu prends ta caméra, ta lumière, ton logiciel de montage, hein, une semaine ou deux, et puis tu le fais. Ah oui, il faut bien une semaine ou deux pour faire un reportage. Ça prend pas une heure de tournage, point. Tu vois? Obligé de le répéter à chaque fois, ça. Tellement il y en a qui pensent que tout leur est acquis, tout leur est dû, tu sais. C'est toujours comme ça. Ouais. En plus, le pire, c'est que c'est souvent ceux qui ne participent jamais activement qui ont toujours, tu sais, le culot de te faire, de te recommander des trucs, de te conseiller, soi-disant, la plupart du temps, c'est que de la merde. C'est ce qu'on appelle les grandes gueules. Ouais. Mais bon, ils font rien. Rien du tout. Techniquement, ils font rien. Et... toujours à critiquer. Mais ils ont plein d'avis, hein. Ils ont surtout des avis. Ce chemin est vraiment immense. Ça n'en finit plus. On a l'impression que ça fait des kilomètres et des kilomètres. Je m'y fais jamais. Je fais pas ça tous les jours, comme disait l'autre. En plus, il fait noir. Il y a la pleine lune, mais... il fait noir, ouais. Noir. Ouais, c'est clair. Enfin non, c'est pas clair. C'est sombre. Ouais, c'est sombre. Ouais, ça paraît con à dire, mais... mais c'est... quand t'es... forcément, tu vois, t'as la forêt et tous les arbres, mais tu vois que dalle, quoi. Pourvu que la lumière nous lâche comme la dernière fois. On aura bien l'air con, on n'aura plus que nos téléphones dans les marécages. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, hein, mais là en fait on est déjà dans la forêt en soi, même si c'est un grand chemin. On longe en fait la forêt. Alors David, j'étais pas en train de filmer, est-ce que tu peux répéter ce que tu me disais? Ouais, je ressens toujours une oppression, là. Enfin, toujours. En général, quand j'ai ce sentiment-là, c'est que il y a quelque chose... moi, j'ai toujours des ressentis comme ça, à l'approche d'un événement, toi, que ce soit dans une région ou comme l'autre jour, quand on était en forêt. Et automatiquement, je ressens... des choses, une oppression, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y en a qui te diraient que c'est la peur. Non, c'est pas l'appréhension. La peur. C'est pas la peur, c'est un ressenti en moi, en fait. Et des gens comme ça, comme des. Tout à fait, oui, ça m'arrive des aussi. Des ressentis et tout. Pas toujours au même moment que toi, mais ça m'arrive. Donc, c'est pas du tout la peur, hein, c'est le fait de ressentir quelque chose qui va se passer. Ou quelque chose qui est pas loin, quelque chose qui est. Ça peut être aussi au niveau d'une région. Des fois où vous allez quelque part et vous ne vous sentez pas bien. Ah ouais. Là c'est exactement le même.
Parce que je te posais la question en dehors de... J'étais pas en train de filmer, je te dis ouais, t'as l'air perturbé. Ouais, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Je me sens... pas inquiet, mais oppressé de quelque chose. Je sens vraiment que j'ai quelque chose. Et après, bon, on va me dire que c'est la pleine lune. Non, mais c'est pas ça arrive aussi en dehors de pleine lune. Non, ça me fait rien, la pleine lune. Ouais. Pas... Je dors, voilà. Comme... je me transforme pas, par exemple. Non. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose bon. qui est là, quoi. C'est toi qui as le katana, de toute façon. Ouais, il est là. Il y a des bruits partout. Alors c'est vraiment une forêt, sa vie. Mais je le dis quand même, parce que je fais ce que je veux. Ça fait bien depuis qu'on est sorti de la voiture, ça fait bien trois quarts d'heure, une heure qu'on marche. Et on va pas tarder à arriver au marécage de la mélancolie. Référence, l'histoire sans fin. Le vrai cinéma de l'époque. Sauf que là, c'est pas du cinéma. Je vais économiser un peu de batterie. Enfin, j'en ai trois, mais bon, on sait jamais. Et je refilme quand on est arrivé au niveau des marécages de la mélancolie. Voilà. Regardez ça. Là, on voit que la pleine lune ne pénètre pas dans les bois. Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, regardez, si j'enlève la lumière, regardez ce que ça donne. C'est vraiment nuit. Voilà. Toujours sur les abords hein, du marécage. Là, vous voyez le grillage juste devant. Il passe comme ça. Et après, on va s'enfoncer dedans. C'est quoi ça? J'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu. J'ai entendu un bruit, mais. En fait, c'est comme une ombre qui est passée. T'es sûr? Non, ça doit être... Tu vois, quand on passe, nous, il y a nos ombres, mais il y a un truc qui a fait ça comme ça. T'es sûr que c'est pas les ombres des bois aussi? Regarde, parce que quand je passe, là, ça fait des ombres... Ouais, ça fait des ombres. Regarde sur l'arbre, tu vois ce que je veux dire? J'ai bien vu quelque... Il y a eu un bruit? J'ai vu un truc... je sais pas si c'était bizarre. Franchement, c'est... Je sais pas, il y a une odeur bizarre en plus. Tu sens pas? Si, ça... Ça sent bizarre. Ça... C'est quoi cette odeur, sérieux? Putain, une odeur de putréfaction, là, c'est... Bizarre, tout à l'heure, il n'y a pas ça. C'est quoi cette odeur, sérieux? C'est ça. Je pense que c'est une odeur de putréfaction. C'est là, hein? De quoi? Moi, je me sens bizarre. C'est le stress, quand même. Non, j'ai pas de stress. C'est pas comme d'habitude. Ça m'a fait un peu comme l'autre jour. Comme l'autre jour, tu sais que ça... On va me prendre pour un fou, mais non, je suis pas fou.
pas totalement du moins. Parce qu'il faut être un peu fou pour se retrouver à chercher les traces de loup-garou. Ouais, mais tu cherches pas, tu trouves pas. Ouais. Ça me rappelle un certain Jésus, ça. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrirez, demandez, et vous trouverez. La fameuse baraque abandonnée, là. Ça vient d'où? Putain, il y a des moustiques là. Eh oui, dans les marécages, il y a des moustiques donc. Ça vient d'où cette odeur? Ça sentait un peu plus fort là-bas, je trouve. Ouais. Il y a des... Je sais pas, il y a des comme un... Des odeurs plus ou moins fortes. Ouais, c'est ça, ouais. Au moment qu'on marche là sur les abords des marécages, et il y a des odeurs très très. Ouais, j'ai entendu. Comme des craquements. Crac. Ça me parle. Hein. L'odeur, elle est là. Hein. Ouais. Non, mais... Ça fait bien 10 minutes qu'on sent une odeur dégueulasse, quoi. Mais ça sent la charogne ou... Ça sent fort, là. Ouais. On donne une putréfaction. C'est par là, hein. C'est par là. Bon, on rentre dans les marécages. On va à l'intérieur. Ouais, vas-y, on y va. Là, si on sent, on va là-dedans. Il y a des fils barbelés, de la vase. Tu devras armer le katana au cas où. Ça pue. On peut pas y aller là. Il y a des orties partout. On peut passer par là. Attends. C'est comme pas des orties qui vont nous arrêter, bordel. Voilà, il y en a quand même un peu trop. Si, c'est des orties qui vont nous arrêter. Il y en a trop. C'est blindé quoi. Il y a toujours cette odeur. Ouais. C'est un vrai ouf. Ouais, c'est pas normal, David. C'est pas normal que ça pue comme ça depuis tout à l'heure. Soit c'est un truc crevé. Il hein. Y a un problème. Non mais attends, c'est un truc crevé. Ouais, ça sent le truc crevé. Tout à l'heure, il n'y avait pas ça. Imagine, c'est pas possible. Bien. On va essayer d'entrer quand même dans le marécage. Reste à côté de moi. On va essayer de ne pas s'enfoncer là-dedans quand même.
fais gaffe où tu marches, hein. Tu peux t'enfoncer là. Là, on est entouré de marécages, quoi. Et d'odeur qui pue. Ça sent, c'est par là. C'est ouf, ça. Désolé, on se répète, mais ça pue vraiment, quoi. Je regarde, là, j'imagine une tête qui débarque. T'imagines là une tête qui apparaît de derrière. Oh putain. C'est un frelon, ça. Putain, c'est quoi ça? Regarde. Putain, le truc de dingue. Attends. Oh voilà. Putain, je l'avais pas vu. Putain, une tête. Je voyais toutes les limaces et les trucs dégueulasses. Ah putain, regarde, une tête. Ah, oh, ça pue. Oh, c'est quoi ce délire? Attends. Putain, c'est une tête de mouton, ça. Ouais. De chèvre. Ah, de chèvre. Ouais, il y a des cornes. Oh, putain, le délire. Qu'est-ce que c'est fou là, ça? Attends, c'est pas possible. Attends, c'est quoi ce délire? Attends, une tête de chèvre. Putain, regarde. Tu peux l'embrocher ou pas? Non, j'ai pas touché à ça, c'est dégueulasse. Tu peux pas le... Attends. Oh putain, ouais, c'est une tête. Ah, puis là, il y a les tripes et tout. Putain. Ouais, c'est ce que je regardais au début, j'avais pas vu la tête. Je regardais toutes les limaces, là, orange. Et le truc dégueulasse, là, c'est quoi? C'est des viscères. Ouais, c'est des viscères. C'est pas possible, putain. Ça. C'est ça qui pue comme ça. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Normalement, il devrait y avoir une carcasse. Là, il y a que la tête et les viscères. C'est chaud. Il y a un truc que je trouve pas. C'est chaud, putain. Oh, ça je clingue, putain. Donc, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais, bah vas-y, on passe. Attends, faut que... je vais prendre une photo de ce truc. Putain, oh là là. Putain, un truc de malade. Dépecé complètement, quoi. Mais il n'y a que ça. Je comprends pas qu'il soit lié avec les viscères. Et... Tiens, tu peux prendre la caméra, je vais prendre des photos. La tête. Ça pue. Putain, c'est clair, c'est un truc de malade. Putain, j'entends un bruit bizarre là. Il y a quelque chose derrière moi là, non? J'ai senti un truc derrière là-haut. T'es par là, là. Putain, c'est quoi ce délire là? Toi, je te dis qu'il y a... Quand je sens un truc, non? Putain, c'est hallucinant. Attends, je te laisse le katana ici. C'est dégueulasse. C'est bizarre. Ça fait un moment que c'est là, il y a toutes les limaces dessus là. Tout à l'heure, on est passé par là, il n'y avait rien. Je comprends pas. Putain, j'ai peur de m'enfoncer là-dedans. On monte. Putain, on dirait que ça a été digéré, quoi. Putain. Hein, on dirait que ça a été digéré. C'est
tout fondu, et c'est bizarre quand même. On vit un truc de ouf là, encore une fois. Mais attends. Viens, on bouge. Il n'y a pas une... Puis en plus, il n'y a pas de carcasse, il n'y a que la... Il y a des barbelés. Putain, l'odeur, elle est infecte, quoi. Oui, une odeur bizarre aussi. Elle est... T'as pas une odeur pareille, là. C'est une odeur... un truc mouillé, là, comme un... Oh! C'est quoi, ça? Là. Oh, putain, c'est quoi, ça? Une tête? Attends. C'est une tête que je viens de voir. Ah non, c'est ça, c'est pas une tête humaine, putain. Oh putain, ça pue. Oh putain. C'est quoi? Oh putain, ça pue, c'est dégueulasse. Une tête de mouton. Comme t'as l'air sans la corne, c'est un mouton, ça. On dirait. Oh putain. C'est pas un mouton, c'est quoi, ça? Pour une fois que le masque anti-Covid peut servir. Oh putain, regarde ça. Oh la tête. Ah. Ah, attends. C'est une tête, là, c'est une tête. Oui, on voit les yeux. Putain, c'est quoi ce délire là? Attends. Ça pue. Ça pue grand. Hein. Oh putain. Oh. Putain, c'est dégueulasse. Putain, c'est quoi ce truc? Attends. Ça a carrément été arraché, sectionné, rien. Et on dirait que c'est, la peau elle a fondu et tout. T'as pas de peau. Ça se voit que ça fait un moment que c'est là, mais c'est ça date de quelques jours, ça fait pas non plus. Sinon il y aurait plus rien. Ouais, mais attends, elle est. Il y a pas de corne celui-là d'ailleurs. Je comprends pas, il y a pas de carcasse non plus. Viens. C'est plus grave, quoi. C'est dégueulasse. Putain. Franchement, putain, j'hallucine. C'est trop dégueulasse. Si elle trouve, en fait, on est en train de se foutre dans la... C'est le cas de le dire, dans la gueule du loup, là. C'est quoi qui fait... C'est qui peut faire ça? C'est pas des gens qui peuvent venir découper... Non, mais là, t'as vu, ça a été éparpillé. Il y a quelque chose que... T'as des viscères, t'as deux têtes de chèvre et de... Attends, t'as... Oh putain! Ça me rappelle le... Le quoi? Ça me rappelle un mec qui m'expliquait qu'il y avait des moutons de l'autre côté et qu'il y en avait qui avaient disparu. Je t'avais pas dit ça? Carrément. Tu t'avais pas dit? Non. Je m'en souviens pas. T'as peut-être oublié de me le dire. T'as pas... Ou c'était... Si. Il y a longtemps, toi? Non. Il y a quoi? Il y a 3-4 semaines. Ah merde. Il me dit... Putain, ça pue. Il me disait qu'il y avait des moutons. Parce que il y a... Je montrerai à la caméra les moutons qu'il y a juste à côté. Putain. Il y a même une pancarte avec des moutons. Il y a peut-être des chèvres, je sais semaines. Pas. Mais ça, il m'avait dit des moutons. Ouais, il y a 3-4 semaines, il m'avait dit ça. En fait, le mec, il s'était... Le mec m'avait dit qu'il y avait quelques moutons qui avaient disparu. J'étais entendu parler des loups, je lui demandais s'il y avait des loups dans la région, il me dit oui. Qu'on avait regardé l'article, etc. Et moi je lui ai montré mon reportage, enfin les deux reportages, et il m'a dit qu'il y avait des moutons qui avaient disparu. Et, ça fait longtemps même.
Il m'a dit que ça faisait longtemps. Putain, c'est... Oh putain, c'est... Je vois un truc passer là. J'ai entendu un bruit juste avant. Putain, tu sais, c'était pas différent. Entre l'odeur et le stress, c'est le plaisir complet. Non mais attends, gars, là. C'est quoi qu'il y a... Attends, c'est quoi là par là? Attends, j'ai vu quelque chose là. Ah non, j'ai vu un truc passer. Et il y avait l'ombre de, comme tu sais, avec, la, avec le, la, les LED là. Il y a une ombre par là qui est passée. Moi j'ai juste entendu un bruit. Ça a attiré mon attention et... Putain. C'est bizarre. Bien. Putain, non, mais je te dis, j'ai vu une ombre. Comme tout à l'heure. Tu sais, quand on marchait, ça suivait. Et normalement, quand tu... Ah, c'est quand même... T'as deux... C'est quand même ouf. Normalement, il y a un truc... Ça pue encore ici. C'est dingue, ça empeste. En fait, il doit y en avoir... Putain, on a attaqué par les... En fait, il doit y en avoir d'autres, des bestioles là-dedans, en fait, dans les marécages. Ouais, je pense. En fait, il doit embarquer des moutons ou des chèvres, comme ça, entre autres. Des biches ou des cerfs ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ça bouge, hein. Ah, mais je le sens. Et... Ça pue, en plus. Ça sent vraiment... Attends, laisse tomber. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pas normal. Il y a... C'est... Comme si ça avait été digéré, quoi. Il y a pas de carcasse, en plus. C'est quand... Coupé, sectionné, direct. Ouais, coupé, ouais. Prend le corps, il se barre avec. Dépecé complètement, quoi. Ou alors, c'est juste quelqu'un, des gens qui font ça, quoi. Ils viennent vider leur, le bétail ici. Je vois pas l'intérêt, quoi. Franchement, je me ferais pas chier d'aller jusque-là. Quoi. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça, mais bon. Je vois pas l'intérêt de faire ça, quand même. Jusqu'ici. C'est quand même bizarre. En plus, tu dis disparition de moutons. Là, il y a une chèvre. Ouais, ouais, ça m'a fait rappeler, en fait. J'avais complètement. J'avais discuté avec lui, il m'avait dit ça, je voulais te le dire. Et j'ai complètement zappé. Il y a un mouton et une chèvre. Non, et là un mouton et une chèvre, mais lui il m'a parlé de moutons. Il m'a dit qu'il y avait des moutons qui avaient disparu. Ouais, et ça faisait longtemps. Après, je sais pas s'il y a des chèvres là-bas, mais je... Mais il a retrouvé des restes, non? Non, ils disparaissent en fait. Ils disparaissent, comme s'ils étaient... Enlevés. Ouais, enlevés, ouais. Mais ils disparaissent. Viens, on va avancer. C'est pareil, là. C'est des chemins, mais c'est pas des chemins. Ça a été défoncé, ça. C'était tout arraché. Ouais. Ça, c'est. Thank you.
Ah, ça pue grave. Hein, je suis sûr qu'il y a des pauvres cons qui vont me dire qu'il fallait prendre les têtes, qu'il fallait les analyser en laboratoire. Bah vas-y, hein, moi je les touche pas. Complètement barbe, les mecs. C'est dégueulasse. Bien sûr, je vais ramasser une tête décapitée comme ça. Putain, hey, je suis embête. Tu vas foutre ça dans quoi? Ouais, t'as plein de bactéries là-dessus, c'est clair. Ça, ça pue. C'est complètement barbe, en fait. Puis j'en ai un branlé des laboratoires, tu sais. Ils n'ont pas compris que j'en avais rien à branler des profs scientifiques, machin truc. Tu m'étonnes. Les mecs, ils vont profiter de notre travail, tu vois. Ils m'ont jamais financé, ils m'ont jamais soutenu une seconde, et puis après, ils devraient soutenir. Après. Il devrait profiter de mon travail, tu sais. Bon, là, on est revenu sur le chemin. Et l'odeur est... On a marché un peu, l'odeur est un peu plus supportable. Mais on regarde toujours du côté marécage. C'est... En tout cas, la zone là-bas, c'est sûr, il y a eu du dépeçage, il s'est passé des choses. Ouais, ça prend au nez, en plus. Ouais, ça prend au nez, c'est ça, ouais. Putain, c'est horrible. Ça, c'est moi qui connais bien la forêt depuis le temps. J'ai jamais vu des têtes coupées comme ça de moutons. Il a fallu qu'on aille dans la zone la plus marécageuse pour trouver ça, quoi. Non, c'est fier l'odeur aussi. C'est l'odeur, ouais. Parce ouais. Que t'as vu comment ça pue, putain. C'est quand même bizarre, toi. T'as une tête et puis... Ah, c'est dégueulasse, putain. Il y a des bizarres. Il y a des... Putain. T'as vu, il n'y avait pas un poil totalement dépecé. Ouais, quoi. C'est ça. Pas de poil, mais comme si c'était digéré, j'ai l'impression que c'est bizarre. Ouais. Et en plus, t'as pas de la carcasse. Ouais. Regarde ce bordel. Il peut y avoir n'importe quoi sous les arbres, à gauche, à droite. Faut retourner toute la forêt, quoi. Toute la forêt, tous les marécages. Oh putain, j'ai une mort! T'as vu quoi? Bouge-toi. T'as vu quoi? Putain, encore une faute de l'autre. Il y a une masse. Ah, j'ai rien vu. Putain, tu m'as fait flipper, bordel. J'ai rien vu. T'as vu quoi? J'ai vu une masse. Comme on était comme ça sur le côté, j'ai vu une masse là passer. Qui était accroupi encore là comme l'autre jour. Viens, on y va. Ça m'a fait pareil. Viens, on y va. Arme le katana. Vas-y. C'est quoi ce terrible? Putain, mon cœur il bat à 10 000 à l'heure. Tu m'as fait flipper, bordel de merde. Là, t'as un tas de bois? C'était aplati, c'est parti comme ça, aplati. Comme, tu sais, comme les... Tu sais, les chauves-souris, là, quand elles se déplacent comme ça, là. C'était aplati, on s'est passé comme ça, comme l'autre jour. Et chien qui aboie de l'autre côté, tu vois. Ça, les bois, hein? Soufflement et tout. Il est arrivé, il s'est approché.
Oh putain. Bien entendre, de vivre un moment flippant, un grognement qui s'est approché de nous, putain. J'ai cru qu'on allait crever, bordel. Ça c'est de la chasse, bordel. Putain, ça, là on tient un putain de son, ça s'entendra à la caméra. Je te dis, ça s'entendra à la caméra. Ça s'attendra à la caméra, c'est sûr. Putain, au début, je me suis dit putain. Quand j'ai entendu le bruit là, le grognement, putain. C'était pas loin, c'était proche. Putain. Putain, vas-y. C'est dangereux. Ça craint trop. Il faut qu'on reste là. Ça craint trop. Là, ça se rapproche de plus en plus, tu vois. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Toi, tu nous souhaites à ta gueule. T'entends le bruit? C'est quoi ce cri? Un cri strident là. On peut dire, franchement, on peut dire ici, pour nous c'est une évidence absolue, il y a des loups-garous. Au moins un, mais je ne pense pas. En tout cas, dans cette zone, il est hyper intelligent, quoi. On le voit. On le voit hyper furtivement. Ils sont tellement intelligents. C'est une putain de chasse au loup-garou, ça. Oui, il y a quelqu'un. Là, on peut dire d'un côté qu'on est chassé, mais techniquement, on chasse les éléments qui démontrent. Des filles qui vont devenir. Ouais, ouais, mais carrément. Attends, imagine les trucs. Non, c'est une super chasse. Putain, et les têtes, et ce grognement de barge. Putain. Ah, je le sentais arriver, putain, tu sais. Je t'ai dit que depuis le début, je me sentais pas bien. J'avais un truc. À chaque fois, ça me fait plus. Là, on commence à sortir de la forêt. Ah ouais, mais... Putain, on courait pas mal, hein. On va se remettre direct. Ah ouais, plus. On s'en sent mettre là même. Là on arrive au milieu de la route. Oh putain. Quoi? On a oublié un truc, la caméra. Oh merde. Oh putain. Oh putain. Faut qu'on la laisse, hein. Faut qu'on la récupère. Bah ouais, c'est un petit peu, ouais. C'est 130 balles une caméra comme ça. Oh putain, heureusement que tu as pensé en même temps, mais... Oh non... On était tellement en flip que... On a complètement zappé la caméra. Allez, on rentre, allez, vas-y, putain, allez, on y va. Elle est moins loin quand même, je pense. Hein? Elle est moins loin, la caméra. Et quand même du côté des marécages là-bas, quoi. C'est pas... Si on se rapproche vachement de là où on s'est fait grogner dessus et même limite chargé, là. Chaud. Bon, pour vous dire,
on entend des bruits derrière le gros tas de bois. D'un seul coup, des respirations fortes, bruit de pas. Et d'un seul coup, ça a couru vers nous, en fait. On a senti comme s'il y avait... Tu sentais qu'il était proche, quoi. Tu sais, il y avait un... une présence, un truc, ouais, presque une chaleur. Et... Ça s'entendra pas aussi bien que nous on l'entend à la caméra, mais vous allez l'entendre. Ouais, clairement. Et là du coup, on se retarde tout le trajet, enfin une partie du trajet pour aller chercher la caméra nocturne qu'on a complètement zappé. Je veux dire qu'on prend sur nous, hein. Dans un moment pareil, c'est... On va pas traîner. Il y a des sons là-bas, à gauche, à droite. Allez, on y va. Ah, ça manie le cul. On se manie le cul et on se tire. Il est là, je crois. Ouais, c'est là. Viens, on se mangue le cul. Ça va, tu vois ? Je crois qu'elle est là, la LED, il me semble. Oh, je sais plus où elle est, bordel. Allez. Ah, c'est là. On est plus pincé, on se casse. C'est là. Putain, ça pue. Vas-y, cours, putain, j'ai senti quelque chose, putain. Claire. Putain, oh, j'ai senti encore un truc. Oh putain, ça veut pas qu'on approche par là. On se casse.
Alors, faut pas qu'on reste là. On se casse. On a rejoint la route. On dirait que c'est comme un territoire, là-bas. C'est bizarre. C'est une soirée de barjo, ça, putain. Parce que ça me poursuit pas, en fait. C'est vrai que c'est présent, mais... T'as vu, c'est... Ça reste toujours au même endroit, par là. Ouais. Oh ouais, c'est dans cette zone. En tout cas... Vous avez la tête. Et heureusement, on s'approche de la route. C'est quoi, ça me rassure de voir les voitures. Je te jure, pareil. Ça me rassure. On a couru, là. Ah tiens, c'est là l'histoire des moutons. En plus, on était passé devant tout à l'heure. Putain, ouais. Oh, putain, la flippe, bordel. Excellent, excellent, super soirée. Oui. Mais tiens, tiens. Rouge, rien, rien. Ce que je te disais. Ouais. Tu vois. Ce que je ferai, c'est que je reviendrai dans quelques jours et je vous filmerai ça. Je vous montrerai où sont les bestioles, enfin du moins si elles sont là quoi. J'ai déjà vu, c'est des moutons, il y a des blancs et des noirs. Enfin, comme d'habitude, en même temps, il n'y a pas des bleus et des jaunes. Ils sont sportifs, là. Hein. Alors, on a fait facilement 200 mètres direct. Hein. Notre jambe à notre cou, comme on dit. Ouais, mais là, c'est la chasse ultime. C'était génial. C'est clair. Enfin, ouais. C'était génial sur le plan des résultats, je veux dire. C'est excellent. Excellent. Bon, sur le moment, tu dis c'est une putain de soirée de merde. Et tu dis putain, qu'est-ce que je prends ici? En fait, c'est bon. Ouais. Bah non, mais on est là pour ça. On est là pour ça. À chaque fois, tu vois, Oh, ça loupe pas. Quand je ressens un truc. Bon. Il est vraiment dans cette zone-là. Et en fait, de l'autre côté, t'as les. Tu sais, t'as les grottes. Ouais. Et nous, on peut pas y accéder. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Quoi. Formalité. Quand on avait été au début avec Freddy. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de l'autre côté que t'as les grottes. Ah mais là, c'est vachement escarpé. Ah non, mais je suis tombé. Puis même, il y a des cadenas, tout ça, mais lui, il doit passer par-dessus, tout. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il est creux de 20 mètres, 10 mètres. Alors, là, on est sorti du... à moitié du bois, enfin, quasiment, quoi. On n'est pas très loin de la sortie, là. Et je voulais vraiment regarder en vitesse si j'avais quelque chose, parce que c'est plus fort que moi. On a tellement couru que je me suis... que j'ai viré le suite parce que... On n'avait pas le choix. Hein. Ah, j'avais trop chaud. Putain. Replay. Non, rien du tout. On a la première image. Attends, je vois pas là. Je vais vous montrer. Ah, ça c'est nous, ça. Ça, c'est bah... Quand on est arrivé. Mmh. Voilà. J'étais en train de filer la caméra à David. Et normalement, il y a une autre image. C'était la journée, ça. Voilà, donc j'en perds mes mots, je te jure. J'ai l'impression de plus savoir parler. Je suis complètement... La caméra nocturne n'a rien capturé du tout, voilà. Ouais, c'est bizarre. Mais on s'en fout parce que nous on a capturé des trucs de barge. Ouais, c'est pour capturer quand une soirée chaude. On y va. Bon, nous sommes quelques jours après ce reportage et je suis revenu dans les parages pour vous montrer ce qu'il y a du côté de la route, justement, vous voyez. Des moutons, voilà,
histoire que vous voyez que on vous raconte pas de conneries, évidemment. Et il n'y en a pas qu'ici. Donc là, on est vraiment le bois des gars. C'est dans cette direction-là. Hein. Voilà. Donc on n'est vraiment pas loin. Je vais aller à un autre endroit parce que encore plus proche du bois des gars, il y en a quoi. Donc il y a deux zones. Enfin, techniquement, il y en a même trois où il y a des cabris, des biquettes, et des moutons. Voilà. Donc on prend la Priest Rider et je vous montre ça. Alors là, j'ai fait une pause ici et normalement il y a des moutons ici et je crois qu'il y a des biquettes aussi. J'ai jamais trop fait attention mais j'en ai vu plein. Et là, comme par hasard, au moment où j'y retourne, il n'y en a plus. Voilà, donc de temps en temps, je passe par ici promener Azaria et donc je les ai déjà vus plein de fois quoi. Et voilà, dans cette direction là, il y a le bois des gars. D'ailleurs, il y a un gars là. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la moto. Je vais vous amener dans un autre lieu, pas loin aussi. Hein, on reste vraiment dans la même zone où il y a des bestioles. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'envers du décor et que ces têtes là, bah on les invente pas. Voilà, là on est donc toujours dans la même zone et voyez des moutons ici. Voilà. Bon, nous sommes à peu près un mois après les événements. Je ne suis pas retourné sur les lieux. Généralement, je suis revenu promener Azaria, mais pas jusque dans la forêt. Je me suis toujours arrêté aux abords. Sur mon katana, je vais pas loin. Même si un katana aura toujours ses limites, comme n'importe quelle arme d'ailleurs. Donc, j'ai décidé d'y retourner deux jours, accompagné toujours d'Azaria, et d'aller jusqu'au lieu. Donc, il y a plusieurs kilomètres de marche, et je vais retourner dans les marécages. Je voudrais voir si les têtes coupées sont encore là. Voilà, donc ça faisait un moment que je voulais y retourner, mais c'est quand même un choc de vivre ce type d'événement là, notamment les grognements et les pas qui venaient vers nous. On a vraiment eu le sentiment de se faire attaquer, cumulé à tous les autres événements des deux autres reportages. Il y a du bruit derrière moi, face, sur le côté là. Regardez Azaria qui regarde. Là ici, il y a une zone que je n'ai pas pu faire non plus. L'île, c'est immense. Alors c'est peut-être là, toi, c'est peut-être une biche, un sanglier, un blaireau. Azaria, viens là. Arrête. Ça bouge, hop, je l'ai vu. Oh, je sais pas si vous l'avez vu au loin, c'est passé à fond. Oh, il y en a deuxième. Je vois pas ce que c'est. Je viens de voir deux. Oh là là! Regardez, il est fou lui. Je viens de voir en fait deux masses noires passer. Je sais pas ce que c'est. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. C'est drôle parce que j'ai commencé les reportages au bois des gars avec ce type d'événement là. C'était des biches. C'était une biche, pardon.
je m'en étais aperçu plus tard. Et là, bah, je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas si c'était des biches. Ça peut l'être. Hein. Je vais vous montrer juste une zone. Il y a une grotte aussi, une cavité là-bas. Mais là, pour y avoir accès, c'est possible. Il faut, braver l'interdit. Je vais vous montrer. Là, il y a des grillages, des barbelés. Et en fait, là-bas, je fais un zoom, il y a des grottes, en fait. On s'en aperçoit beaucoup moins bien à la caméra. Écoutez, un jour, j'irai quand même. Malgré les barbelés, c'est pas comme si je défonçais quelque chose. On trouvera bien une entrée quelque part. Mais c'est tellement grand, vous savez. Cette forêt du Bois des Gars est attachée à d'autres forêts. Hein. Bon, allez, on avance. Vous voyez, c'est à cause de ce genre de panneaux-là aussi, que les gens ne vont pas dans toutes ces zones-là. Donc, oui, tout ça, mine de rien, ça appartient bien à du monde. Derrière, il y a une voiture, là-bas. Mais oui, c'est hyper, hyper, hyper sauvage. Je vous raconte même pas, et c'est des kilomètres et des kilomètres, en prenant en compte toutes les forêts accrochées à cette partie. On continue, on marche. Voilà, donc là je commence à me rapprocher des marécages, vous voyez. Donc je suis sur les abords des marécages. Regardez-le, il est aux aguets. Ah, il y a un bûcheron là-bas. Pas aller l'emmerder parce qu'il va nous foutre un coup de tronçonneuse. Vous savez, les bûcherons, des fois, sont dangereux. Non, je plaisante. Hein. Il y en a qui vont prendre ce que je dis au sérieux dans ce cadre-là. Le bûcheron est dangereux. Tu le sens, tu le vois dans ses yeux. Il a la haine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'en prend à tous les arbres. D'ailleurs, on n'est pas loin de l'eau là. Baignade interdite. Qui a envie de se baigner dans cet étang, à part un gros crado ou un bûcheron, vu qu'il est malfaisant. Là je suis arrivé au niveau d'un pont et vous voyez tout ça là, ça amène au marécage et voilà, donc ce qui explique pourquoi à côté, juste à côté de cet étang, eh bien, ce soit complètement marécageux. C'est l'eau qui passe par ici, entre autres, et puis qui crée tous ces marécages, quoi. Alors justement ici, on est pas très loin de là où David avait vu la bête qui était du côté droit et qui a couru du côté gauche. Il avait vu sa silhouette assez loin, furtivement. Nous on l'a pas vu ni filmé, mais voilà, c'est le témoignage de David. Voilà, donc toujours pareil, on est aux abords de la, bon, en fait on est entre l'étang ici et les marécages ici. Voilà. Et de l'autre côté des marécages, il y a les grottes. Bon, évidemment, lui, Azaria, n'a pas de problème pour passer. On va passer de ce côté-là. Et on trouve... Azaria, viens là, viens là, viens là. Viens là. Dépêche-toi. Viens là! Azaria, viens là!
Il se barre, oui, parce qu'il entend des bruits. Viens là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. Donc c'est dans cette zone-là, dans ce chemin, que nous avons vu les têtes. Donc c'était du côté gauche. Azaria, non. Ah, ça a été ratiboisé. Regardez là. Là, il y a quelque chose qui est passé. Dépêche-toi! C'est bien. Heureusement qu'Azaria écoute parce que on serait bien emmerdé. Alors. Bah c'était vers là. Hein. Vous voyez un peu toutes ces zones marécageuses. Là, c'est... Qui peut aller là-dedans quoi? Par un bûcheron et encore. Il... Vous voyez, c'est... il reste sur... aux abords. Hein. Viens là, viens là! Dépêche-toi! Écoutez, je ne vois plus les têtes. Elles ont disparu. Viens là! Azaria! Hé, hey, t'es casse-couille, hein! Azaria, au pied. Tu restes ici. Bon, je ne sais pas où sont les têtes. Elles ont dû être pas déplacées, quoi. Azaria, viens là. Je crois que c'était dans cette zone-là. Hein. C'est tellement grand. En tout cas, il n'y a plus les odeurs du tout. Du tout, du tout. En plus, quand on y était, c'était la nuit. Donc, bah, la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, on se repère encore moins. Azaria, viens là. Non. Comme ça, c'est réglé. Ah, si, j'ai trouvé. Ah. Non, c'est pas ça. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne chier quelque part. Il se torche le cul, laisser tous ses papiers ici, tu sais. C'était le côté poétique de la... du reportage. Ah, oh, ça me fait chier, ça, merde. J'aurais bien aimé voir une dernière fois les têtes de jour. Bon, voilà, de toute façon, on les a bien vues, on filmait, j'ai pris des photos, donc voilà. Bon, après, on n'a pas touché, hein, parce que c'est quand même dégueulasse, et ça peut être porteur de bactéries, de parasites. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas qui a pris les têtes, mais... Elles sont plus là en tout cas, il y a bien quelqu'un qui a dû les prendre, sinon il y aura au moins les ossements. Parce que un mois ne suffit pas pour que ça soit littéralement liquéfié par l'acidité des sols. Je pense que ça prend plus de temps, plus d'un mois. Regardez-le. Il est à fond. Hein. J'espère que cette trilogie au bois des gars vous aura plu. Je ne vais pas faire un débriefing des trois épisodes, tout simplement parce que après chaque reportage, je fais un débriefing, je fais un podcast audio. Si vous n'avez pas vu encore les podcasts, bah allez les voir, hein, c'est sur le site loupgarou.fr ou sur la chaîne.
Loup-garou France. Donc vous pouvez retrouver ça, je ne vais donc pas me répéter. Je vais juste parler un petit peu de ce que j'ai vécu avec David lors de ce reportage-là. Je vous avoue que j'y suis donc retourné une seule fois, du moins à l'intérieur. Je suis repassé plusieurs fois aux abords, mais jamais à l'intérieur, du côté des marécages. Ça a été un énième choc pour nous. Je ne veux plus y aller. Et je ne veux plus... en tout cas pour l'instant. Bien sûr, quand on voit ça en vidéo, c'est une chose. Quand on le vit, ça n'a rien à voir. Donc... certains pourront comprendre, d'autres resteront limités, comme d'habitude, puisque c'est toujours facile de dire « Mais on veut voir un loup-garou, on veut voir un loup-garou, on veut voir des images, etc. » Ces gens-là ne se rendent pas compte une seconde de la difficulté du concept, du projet. Je crois que les images qui ont été rapportées, autant sur le plan visuel qu'auditif, est quand même extraordinaire. Je pèse mes mots, et choquant, surtout pour ceux qui le vivent. Ceux qui sont derrière leur ordinateur vivent des émotions, mais je vous garantis que ce n'est pas l'ombre du quart de ce qu'on peut vivre sur le terrain. Voilà, encore une fois, s'il y a des personnes qui peuvent faire mieux, qui ont de super conseils à me donner, vraiment, je vous invite à aller sur le terrain, peu importe. Vous savez, des loups-garous, il y en a partout en France, des témoignages, il y en a partout en France, et bien sûr à l'étranger, mais en tout cas, il y en a partout en France, alors prenez votre matos, et puis j'attends les images, tout le monde attend les images. Cette tête coupée, ces viscères, cette odeur persistante, qui te prend le nez, tu sais, et longtemps après, on pense qu'il devait y avoir d'autres barbaques, peut-être plus dans les profondeurs des marécages, c'est-à-dire vraiment dans des zones totalement inaccessibles pour nous. Et c'est pas impossible qu'il y ait eu du bétail massacré ici. Évidemment, je ne sais pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, vous ne savez pas non plus. Il y aura plein de commentaires. Moi je pense que, mais en vérité, vous ne savez pas. C'est ça la réalité, c'est que vous ne savez pas qui a fait ça. Soyons humbles, un tout petit peu. Ça peut être autant un homme que... pour je ne sais quelle raison, ça pourrait même penser, encore une fois, je ne sais pas, donc je vais dire n'importe quoi. On pourrait penser à un rituel quelconque, on pourrait penser tout simplement à quelqu'un qui appartient le bétail et qui est venu découper sa viande ici. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, admettons. J'avais discuté avec une personne qui vit non loin, qui m'avait évoqué effectivement des disparitions de bétail. C'est quelque chose qui m'était un petit peu, non pas sorti de la tête, parce que je ne m'attendais pas à tomber là-dessus. Donc, s'en était resté là. Alors, si j'ai l'occasion de revoir cette personne-là, j'essaierai peut-être un peu plus approfondir cette partie. Mais je ne suis pas sûr qu'elle en dise plus, très honnêtement, parce que sinon elle me l'aurait dit. C'est une personne du voisinage, enfin, elle est à seulement quelques kilomètres. Quand je vais promener Azaria dans cette zone-là, il m'arrive de temps en temps, très occasionnellement, de la croiser. Donc à force, on se dit bonjour, puis des fois, il fait beau, ça va, et toi, ça va par ça, ça va. Donc... c'est quand j'ai vu les têtes, après le choc, que je me suis dit, mais putain, mais on m'en avait parlé. Ça faisait seulement, il y avait quelques semaines, je ne me rappelle plus
combien de temps, mais ça faisait quelques semaines qu'on m'avait parlé de ça. Donc, tomber là-dessus, est-ce que un loup-garou peut dépecer totalement une bête comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais pourtant bien cette bête-là. Ce cas, ça me rappelle un peu la bête du Gévaudan, bien que ce ne soit pas un loup-garou, mais ça me rappelle un peu les cas de la bête du Gévaudan, pardon, parce que, non pas la tête du Gévaudan, puisqu'il y avait des têtes totalement découpées qu'on retrouvait à gauche, à droite, des victimes de cette créature, où beaucoup de spécialistes pensent que ce n'était pas la créature ou une des créatures, parce qu'il y en aurait plusieurs selon les spécialistes, qui est donc un homme qui carrément découpait les têtes, hein, puisqu'on retrouvait aussi des vêtements parfaitement pliés, à gauche, à droite, les personnes déshabillées. Donc ça semble assez un comportement tout à fait humain quand même, quoi. Pour autant, donc des animaux avec la tête complètement dépecée comme ça, ça c'est pas un cas, c'est un cas qui reste relativement très 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 singulier. Donc admettons que ce n'est rien, ce n'est pas de rapport avec le ou les loups-garous du coin. Encore une fois, je dis du coin, quand je pense au coin, je pense même pas au Bois des Gards, hein. Je pense à toutes les autres forêts auxquelles le Bois des Gards est attaché, hein. Donc ça me montrait un budget faramineux. Là, il faudrait que je sois un roi du pétrole pour pouvoir mener une investigation avec des milliers de caméras, enfin, et ça prendrait, je pense, ça prendrait des mois et des mois, hein. Ça prendrait pas juste voilà, quelques jours, quelques nuits comme ça, non, pas du tout, je ne pense pas, parce qu'il faudrait ratiboiser tout, en fait, hein, tout simplement tout, voilà. Et l'argent, ça fait beaucoup dans ces moments-là. Et d'ailleurs, je voudrais remercier mille fois, et vous pouvez tous remercier, si vous n'êtes pas donateur, vous pouvez remercier dans les commentaires ceux qui font des dons sur Tipeee et PayPal. Allez-y, dites-leur merci, parce que c'est grâce à eux que vous avez vu ces reportages-là et que vous voyez même des témoignages et des récits que grâce à Virginie, qui est ma traductrice, je vous rapporte. Comme ça, donc, tout le travail fourni, toutes les vidéos que vous voyez sur Loup-Garou France, c'est grâce aux tipeurs et à ceux qui, et aux paypalers. Voilà, il y a les liens dans la description, si vous voulez vraiment participer, allez-y. Ça m'aide concrètement, parce que je prépare d'autres vidéos que vous aurez beaucoup de plaisir à voir. Donc, allez-y, dans les commentaires, dites merci à ceux qui font des dons. Hein. Si ce n'est pas votre cas, sachez que ces gens-là ont contribué grandement à ce travail. À votre place, hein. C'est pas pour vous culpabiliser, hein. C'est pour rendre à César ce qui est à César. Attention, hein, pas du tout pour vous culpabiliser. Je sais très bien que vous aimez bien mon travail, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi, c'est très important pour le partage, je vous remercie pour tout. Mais je veux dire, ceux qui, grâce auxquels je fais ce que je fais concrètement, c'est pas grâce aux likes, hein. C'est grâce à l'argent. Voilà. Donc, donc ensuite, il y a eu ce phénomène, eh bien de grognements, qui étaient des grognements au départ assez lointains, et puis des bruits de pas qu'on avait entendu plusieurs fois dans le reportage, des bruits de pas, et puis ensuite on a bien senti que ça courait vers nous, et on s'est senti totalement traqué. Vous savez, c'est comme si on sentait presque la chaleur du loup-garou venir vers nous. Alors certains nous diront encore, c'est un sanglier. C'est un cerf, arrêtez vos conneries. Et quand on cumule tous les phénomènes, on voit bien qu'on n'a pas du tout affaire à un sanglier comme ça, mais à une bête bien plus intelligente. Et voilà, donc on a couru. Après, au loin, on a entendu un hurlement. Alors, on l'entend bien à la caméra. Alors, toujours pareil, à un moment, vous savez, il y a des petites musiques d'ambiance, des musiquettes, mais ça reste pour créer, je dirais, pour générer l'ambiance qu'on peut retrouver sur le terrain. Vous comprenez? Mais quand il y a des moments importants où on entend des bruits, vous le voyez bien, il n'y a pas de son. C'est pareil dans tous les reportages que j'ai faits.
Certains m'ont dit, mais il y a trop de musique. Mais c'est parce que vous réglez mal votre ordinateur ou votre téléphone est mal réglé. Parce qu'en fait, on entend très bien tout, on entend tout, très bien. Il n'y a pas de problème. Même si c'est sûr, on entend encore mieux sur le terrain. Donc, c'est mon métier. Je fais du reportage depuis des années. Je travaille dans l'audiovisuel. Je sais donc monter une vidéo. Et vous le voyez d'ailleurs, ce type de reportage-là est assez brut. Hein. Il y a juste un filtre verdâtre. Il y a juste quelques fonds sonores de temps à autre, et puis c'est tout, quoi. Une musiquette, et voilà, c'est très brut, il n'y a pas beaucoup de découpage tout le temps, vous savez, comme dans ce qui est à la mode aujourd'hui dans les reportages, avec une narration, avec une voix off qui vous dit, et là, c'est le drame, je sais, ou avec un hypercutage, comme ça, non, moi, c'est vrai que ce type de reportage-là est assez brut, il y a des cuts, bien sûr, mais pas constant, comme ça. C'est une question aussi, je crois, pour moi, d'authenticité. Donc ce hurlement qu'on a entendu au loin, certains me diront, c'est une chouette, c'est un renard, j'en suis pas si sûr. Là aussi, faut rester, encore une fois, très humble. Quand je suis retourné un mois plus tard, donc là, il y a quelques jours, j'ai vu donc deux bestioles passer avec Azarel qui voulait absolument leur courir après. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Alors là, pareil, on peut me dire c'est des biches. Mais même moi, je ne sais pas. Il y en a qui vont savoir. C'est extraordinaire. les réseaux sociaux sont souvent incroyables comme ça. J'ai vu deux bêtes, ça c'est sûr, passer. Qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas le dire. Il y a énormément de zones. Dans la zone du bois des gars, j'ai quasiment tout ratiboisé. Il y a juste une zone avant l'entrée du bois des gars, où il y a manifestement de la roche. Donc est-ce qu'il y a une grotte à cet endroit-là? Je ne sais pas. Il faudra passer par-dessus le grillage, barbelé. Je n'ai pas vu d'entrée à cet endroit-là. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile de passer par-dessus un grillage, mais bon, je n'ai pas fait cette zone-là. Peut-être un jour. En attendant, j'ai beaucoup d'autres zones à faire. Ça arrivera, vous le verrez, pour 2022, hein, parce que là, on est fin 2021 au moment où je parle. Je crois que voilà, j'ai tourné depuis l'ouverture de Loup-Garou France, ça fait un an. Je vous ai tourné 5 reportages, je vous ai ramené des tonnes de témoignages, des récits, des histoires, des foires aux questions aussi, j'en ai fait 2 foires aux questions, enfin bref, allez voir le contenu, je me suis pas foutu de votre gueule, et vous savez où partent vos dons, concrètement quoi, vous le voyez bien. On reste quand même particulièrement choqué. Il me faut, vous savez, psychologiquement, c'est très dur d'encaisser des trucs comme ça. On ne se rend pas bien compte, en fait. J'y reviens à ce que je disais au départ. On ne se rend pas compte quand on regarde ça sur son téléphone ou sur l'ordinateur. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de regarder ça sur ordinateur ou sur télé, hein, je vous le dis. Non, sur le téléphone, il y a des choses qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas de la même façon. Donc quand vous trouvez qu'il y a un problème de son ou d'image, c'est pas ma vidéo, c'est votre téléphone ou votre ordinateur qui est mal réglé. Et dans l'épisode 2, dans le reportage numéro 2, certains m'ont dit on ne voit pas la bête qui traverse de droite à gauche, c'est parce que vous ne savez pas régler la luminosité de votre téléphone ou de votre ordinateur ou de votre télé. Mais sinon on voit bien une masse noire passer debout. Bon, c'est très clair, c'est très très clair. Bon, enfin, c'est plutôt sombre, mais de façon évidente, on le voit, malgré la sobriété. Alors, toujours, certains ne sont pas contents. On voit mal, ceci, cela, mais allez-y alors, si on voit mal, si vous n'êtes pas content, allez-y. J'insiste souvent là-dessus, hein, parce que vous savez, il faut se les taper, hein, les gens qui ne participent jamais et qui en plus ne sont jamais contents, tu sais.
c'est vraiment l'air de l'égoïsme. Tout pour ma petite gueule, tu vois. Et en plus, je fais des demandes et tu me dois des vidéos, tu sais. Et je veux, si je veux ça, ils sont jamais, jamais, jamais contents. Quoi qu'on leur ramène, tu vois. Et si on avait une image aussi claire que cette tête-là, ils seraient pas contents non plus. On voit pas le corps, on voit ceci. C'est un fake, c'est un faux, c'est un... Et... Merci beaucoup en tout cas d'être fidèle à Loup-Garou France et merci mille fois aux donateurs. On fait tous ensemble, vous faites avec moi, mais je fais vraiment avec vous. N'oubliez pas à chaque fois, bah, effectivement, les petits protocoles, voilà, le petit like, le commentaire. Je lis tous vos messages, je lis tous vos messages sans exception, mais et puis des fois, même de temps en temps, je réponds. Donc, aussi souvent que je peux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah allez-y, abonnez-vous. Je vois beaucoup de gens qui regardent qui suivent Loup-Garou France mais qui ne sont même pas abonnés. Abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous créez un compte YouTube, ça prend 2 secondes, et comme ça vous recevrez directement les vidéos en notification, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications après s'être abonné. Et voilà, et vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter. La newsletter sur loupgaroufrance.fr, c'est le site officiel, il n'y en a qu'un seul, loupgaroufrance.fr. Newsletter, vous rentrez votre adresse mail et vous recevrez directement les vidéos dans votre boîte mail avant tout le monde. C'est une exclusivité mondiale. J'exagère pas. Voilà, donc, et bien sûr, on a la boutique. Je le rappelle, on a la boutique avec des t-shirts, des mugs, des bonnets, des trucs comme ça. Et là, c'est une aide, pas vraiment financière, parce que bon, dessus je dois toucher 2 euros, un truc comme ça, mais par contre c'est une aide promotionnelle énorme, quoi. Après, vous pouvez m'envoyer les photos d'ailleurs de vous avec votre t-shirt. Si vous voulez pas qu'on voit votre visage, vous mettez un smiley, ou alors vous me demandez de mettre un flou sur votre visage et je le ferai sans problème. Mais vous pouvez m'envoyer vos photos, et je les partage sur la page Facebook Loup-Garou France. Tu vois, donc je tiens à le rappeler. J'espère que cette trilogie vous aura plu. Je pense que pour la plupart, en tout cas, oui, et que vous en êtes reconnaissant. Ça, je le sais. Et puis, ceux qui sont toujours pas contents, vous faire. Hein. Et comptez sur moi pour continuer l'aventure, mais c'est grâce à vous. Vous étiez sur Loup-Garou France.